Nouvelle la prend la ri, c'est que président Luis Abinader passe l'ordre à directeur migration et migration République Dominicaine pour que li pa quitte 39 Haïtiens rentrer sous territoire dominicain. Moun sa yo, eh bien, les États-Unis à Canada sanctionné qui n'a trafic zam, bal, qui n'a trafic drogue, qui n'a financé gang dans le pays d'Haïti. Dans l'ISA, un pile moun a posé question, qui ça fait yo pa wè non aucun ancien président les États-Unis à Canada sanctionné, tant qu'un ancien président Jocelyn Brivère, ancien président Joseph Michel Matéli. Donc jusqu'à présent, citoyen yo pa suspend posé question pour dire pour qui ça non oligarque Dimitri Vorbe, Reginald Boulos pas sous l'ISA. Pour qui ça non Jean-Henri Seyan pas sous l'ISA. Pour qui ça non Big Joe pas sous l'ISA. Donc, frère Maxime Kapkoute, ou capable de l'is président Abinader mette dehors pour un pile citoyen, c'est l'is esclave la cou, esclave volonté, bouclier système yo. Mais mettre système kap déstabiliser pays d'Haïti, malheureusement, lui a pas figuré dans l'is là. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, m'a rappelé, République Dominicaine qui collait ensemble avec pays d'Haïti, le président Jovenel Moïse était là, ou capable de rappeler, qui manifestation qui te gagne bon côté payo, le que canal irrigation t'a construit sous rivière massacre. Donc, divers agents doubles dans le pays d'Haïti, te qu'on mettait ensemble avec une série de gros responsables dans le pays si là, pour déstabiliser le pays d'Haïti, parce que tant que le pays d'Haïti trouve une instabilité chronique, c'est tant que l'IPI bon pour la République Dominicaine. Donc, en pile haïtien juge que l'ISA, c'est une liste hypocrite, c'est une liste divisée pour régner. Yo mande président Abinader ressaisir kou sa pa passé. Et m'a rappelé au peuple haïtien, mais c'est nèg colombien qui t'est rentré sous territoire haïtien hein, pour te vin touyer président Jovenel Moïse, t'est passé en République Dominicaine et t'est gagné Dominique Gonzalo Castillo, c'est lui-même qui t'est metté avion disponible pour te transporter mais c'est nèg colombien ça yo. Donc jou la justice existe tout bon vrai, et bien président Luis Abinader Abge pour répondre question sous dossier assassinat président Jovenel Moïse et selon M. Newton Saint-Just ak divers avocats en République Dominicaine, yo fait qu'on est environ 20 millions de dollars te sorti dans le pays d'Haïti, passé dans le système bancaire République Dominicaine pour tal touye président Jovenel Moïse. Yon dossier nous continue à suivre. Donc, Jean wap gade photo ça, c'est ancien député Jean-Tolbert Alexis, gade non ka bien passé en République Dominicaine, c'est parti cause piti. Donc, moun nan commune kwa de bouquet, ta remé kampé non sal, kon sa, yo ta remé pou cheveux yo, kon sa, tu comprends? Donc, mais malheureusement, yo pa fouti mette ti greffe yo, et puis pou yo marche avec kon sa, nan la ri kwa de bouquet, tellement ge poussière ak fatra, dirige yo pa pren responsabilité yo, tandis que yo ap déstabilise commune, yo ap volé tout sa gen nan commune nan, pou yo al investi dans l'autre pays, et bien m'ap fè ou konnen, ancien député Jean-Tolbert Alexis, interdit pour le pile territoire dominicain. Bagay la dit. Jean-Ernest Muscadin, qui c'est commissaire gouvernement juridiction Miragroane, et mes frères et sœurs bien-aimés, il démenti information qui fait quoi? Commissaire Guy Mondelus n'a fait raquette dans le bureau immigration et émigration Miragroane. Commissaire Muscadin fait qu'on est, c'est lui qui baille commissaire Mondelus autorisation pour faciliter le travail la fête. Puis bien toujours, commissaire Muscadin rejeté toute l'idée qui fait quoi, directeur bureau immigration Miragroane, Aurel Jean-Louis, n'a fait magouille dans bureau. D'après chef paquet, si accusation était fondée, l'étape guettant arrêté tous les deux. Jean-Ernest Muscadin te parlé dans micro correspondant nous, Henri-Claude Cerclin, depuis Miragroane. C'est moi-même, chef paquet Miragroane, qui désigné pour remplacer le mandat d'immigration. Avec ça, pour faciliter les gens qui baguent, les gens qui baguent, soit des délégations, les gens qui baguent, soit la mairie, les gens qui baguent, soit un ancien député ou un ancien sénateur, qui pour entrer dans le. Parce que je dis à la négra, pour 15 000 dollars ici, on pouvait pas se voir. Moi, je baguais principal, moi, je dis que c'est j'ai premier arrivé, premier entré, premier servi, premier sorti. C'est sur quatre principes que ça a été agi. Cela implique que. Et comme c'est qui va avoir un acteur de c'est moi qui voulais l'entrer dans l'immigration de façon que pour capable faciliter le monde qui paye le monde à le faire passeport. Donc, directeur de l'immigration, pour dire, je suis naïf de ce qu'il a fait. Et comme c'est directeur de l'immigration, il n'y a pas de monde qui prend l'argent.
pour déballer. Il n'y a pas de raquette, il n'y a pas de brasse. Je dis à la, nous pas qu'à m'en dérévoquer. Mais même, ça te cache, si je suis dans la brasse, je ne peux pas perdre. Et si je suis dans la brasse, je ne peux pas arrêter déjà. Je n'ai pas de aucune plainte pour dire que l'immigration. Il y a plus de monde qui dénonce. Mais sauf que moi, j'ai des employés en dedans de l'immigration. Moi, je me demande à des gens parce que. Il y a des gens qui viennent dans la carrière qui disent nous prenons 15-20 000 dollars ici. Dans donc, tout le monde est en cavale. Et je me dis que je ne vais pas arrêter, quel que soit à côté de moi. Même si je ne vais pas me demander à des gens, même dans la rue, je vais chercher. Je vais croiser, je ne vais pas arrêter parce que moi, je dis non. Les gens qui ont fait trop. La question est 10 pour eux, 0 pour eux. Moi-même, je dis à la moitié non. Je vais débarquer dans l'immigration tant que je suis marié ou tant que je suis. Collectif ancien député opposition qui se kadoa exige bon jan explication bon côté gouvernement sous document ONA qui prend la ri. Document ça yo révélé en série de particuliers ak entreprise plusieurs centaines milliards goud. Information kap si ki l'état a fait quoi en pile nan concerné sa yo ta remettre l'argent yo prêté. Abel Décolline se porte-parole kadoa li tap di nou plis sous dossier a an nou koute l. Depuis quelque temps, tout le monde cap suivre réseaux sociaux, mais tout à travers les médias traditionnels, nan niveau Kadoa nous constater gagner des documents de l'ONA qui évaluaient à plusieurs centaines de millions de dollars américains, à plusieurs centaines de milliards de goudes lorsque nous fait calcul comptable, c'est des documents qui montrait des prêts l'ONA fait avec des particuliers, avec des entreprises, avec des institutions, avec de groupes d'un niveau, ça nous relève secteur privé dans le pays d'Haïti. Nous décider, questionner et interpeller le gouvernement de la République, la direction générale de l'ONA. Nous décider, questionner et interpeller eux, dans la mesure où la transparence, c'est une non élément de la bonne gouvernance. En ce sens, pourquoi il est de la responsabilité du gouvernement Premier ministre Ariel Henry, il est de la responsabilité de nouvelle direction générale ONA, pour que yo porter de clarifications, pour que yo baille des explications. Et moi, crois, ça a permettre nouvelle direction générale ONA gagner en crédibilité. Et ça a permettre que gouvernement, premier ministre Ariel Henry, montrer que yo pas n'en caché la vérité. Des centaines de millions de dollars, des centaines de milliards de gouttes, de assurés qui prêtaient, nous dit, avec des particuliers, avec des institutions, avec des entreprises, avec des groupes du secteur privé. Normalement, nous croyons pas gagner un problème que l'ONA lit bail de prêt avec des institutions. Mais compte tenu de scandales qui fait pendant des années dans l'ONA, des scandales qui dit des directions générales, des administrations de l'ONA, notamment sous M. Chesnel Pierre, notamment sous M. Jamesley Jean-Baptiste, que tu as gagné des fichiers, tu as gagné de prêts, que tu as annulé, que tu as disparu de documents. Yo. Mais tout, des informations qui laissaient quoi que des entreprises, des institutions, des groupes, des particuliers qui prêtaient la l'ONA, qui pas jamais remettent. Donc ouais, c'est une obligation pour que question ça yo clarifié, pour que question ça yo gagne des explications qui baillent. Et c'est peut-être ça Kadoa en appel au gouvernement, à la direction générale de l'ONA par rapport à fuite documents ça yo, pour que yo fait preuve de transparence. Oui,
nous noter que direction générale ONA t'ai fait en note pour dénoncer fuite documents yo, pour rappeler que confidentialité qui caractérisait administration l'ONA. Mais ça n'est pas suffi. Documents yo fuité et à ce qu'il paraît, gagnons certaine authenticité de documents ça yo. Donc il y va de la responsabilité du gouvernement et de l'ONA pour faire preuve de transparence pour que un pays qui n'a un état économique extrêmement difficile, qui gagne des centaines de milliards de gouttes dans la nature, pour nous connaître, est-ce que vraiment moun ki prêté au yoromètre, est-ce que vraiment gagne de documents qui disparaissent, et qui ça, cap est fait, dans le niveau gouvernement, dans le niveau l'ONA, dans le niveau la justice, pour rétablir la vérité. Mesdames, mademoiselles et messieurs, gagné agent exécutif intérimaire commune Morin, Élisée Blaise, déploré situation insécurité qu'a développé dans commune et qui condamné Zach assassinat qui fait soumettre André Chaléus mercredi 12 avril passé. Magistrat Blaise mandé ensemble avec autorité yo pour yo renforcer sécurité dans commune pour éviter plus victimes en nous coutel. Nous vraiment déplorons à toute façon ça qui a passé qu'on y a ce commandement, oui. Et nous faisons pile et fort pour ça va arriver parce que nous gagnons plus qu'un mois. Bon, avant moi, depuis l'année, nous avons demandé backup, nous avons demandé fort commune, le commissaire a renforcé. Mais la dernière semaine, nous avons là, fait demande pour nous parce que des pilgrimages qui ont couru depuis tant de mois mais ça pas gagné et nous dit si pas gagné fait et laisser peuple qui a grande tête li justice qui a protégé tête li nous pas contre qui ça qui ça pas arriver ça fait il y a des cailles qui brûlé il y a des monde qui mourir un jeune garçon mourir voilà cali et date là c'est dernière fois là c'est maître Charlie Sandré et un avocat un professeur et son notable était bataille pour zone dans une commune malheureusement qui tombé et nous vraiment regrette ça mais nous avons grand bagaille n'a demandé pour ça n'a demandé c'est pour l'état prendre disposition vouer un backup et chaque seconde de pas réagir chaque seconde bah la venir en pure yo dit à ces maîtres Charles nous pas connait qui est-ce qui a vu une victime encore. Ça fait jour. Si nous, oui, certainement, dans l'état de droit, c'est pour la police prendre responsabilité, les sous-communement, oui, et pour ne pas attendre, c'est les cabouilles de film passer, après les fermes barrières, c'est les morts de film ensemble, et puis nous avons voyé de l'eau. Et moi-même, je pense que l'État, il peut qu'on soit tard, n'a pas encouragé que l'État central prend disposition pour bailler un backup stable sous zone et tout le monde qui. Victime de façon ou l'autre, dans quoi jour, fait chemin de justice, et c'est ça donc a dit pour qu'on y a, mais jusqu'à présent, on n'a pas la voilà, et pour qu'on ait un backup stable sous l'autre. Oui, il y a des backups qui passent, mais pour qu'on ait un backup stable. Inspecteur divisionnaire Jose Renard et Gilles Motler, installé comme chef dans le commissariat Pointe-à-Raquette, en Sagalais qui trouvait sous île la Gonave, département l'Ouest, depuis pendant le week-end. C'est commissaire principal Georges Jean Renault qui installé yo. Installation sa yo faite après nouveau plan sécurité secondaire, commandement police la France LB, fait yon façon pour garantir yon climat la paix dans deux municipalités yo. Yon ghetto krasé dans district Kay Jano, dans ville Okay, samedi 15 avril, dans opération qui faite sous direction commissaire divisionnaire Daniel Compère. D'après sa coordination la presse ak relation public PNH la fait qu'on est dans ville Okay. Permanence contre bandi yo bay fruit, plusieurs arrestations déjà faites, plusieurs bandits blessés graves à coopération entre la police ak la justice. Population nan Mayotte touye nan commune Pétionville nan samedi 15 avril de bandi. Citoyen yo mette di fe sou youn, la dan yo apre yo te fin assassinel. Map signale nou, youn nan malfra sa yo ki tap sikile sou yon moto sans plaque, la police te arrive depose la patsouli. Bandi ak zam kidnappé
Harold Mazuka Junior, entrepreneur à Concil Honoré qui présentait cette kit en Haïti samedi 15 avril 2023 dans Delma 31 zone Cité Okaï. Kidnappé yo pran Concil Honoré à toute même famille. N'a rappelé au peuple haïtien Harold Mazuka c'est une associé dans compagnie Haïti Plastique, groupe qui a servi communauté. Malgré résistance, Gadi Kolio, eh bien, kidnappé, yo mette di fe dans des machines qui te accompagné diplomate là, pour yo te menel aller ensemble avec yo ak force. Population qui vive dans la 6e section commune de Rivière la Tibonite, accent villa a mouté le ciel pado dans mes gangs savie qui achete zone sa a l'agent content. Après bandi savie yo fin pillé ak mette di fe dans commissariat de Rivière la Tibonite, situation vin pi compliqué. C'est groupe armé sa yo qui fait la loi dans commune. Mesdames, mademoiselles et messieurs, Désir Vénès, cité Crète à Pierrot de Rivière, le département La Tibonite pour taxe 609. Situation la vie, population cap vive dans 6 sections communales à Sainte-Ville, Tigrivière, La Tibonite, pas suspend compliqué face à exaction gang yo après bandits ça vient yo te fin pillé à piquer difé dans commissariat Tigrivière, La Tibonite 11 avril passé ya. Perez population vin plus malgré ou te déjà a subi la loi gang yo. Mercredi 12 avril 2023, numéro 2 base gangriff Savien, Higgins Noriston, alias Notrop, débarqué dans l'hôpital Charles Colimon, dans Tigrivière la Tibonite, dans bloc laboratoire, Livin fait test VIH. Situation si la, te la cause personnel santé yo, te vraiment paniqué pendant yo ta bail service dans centre médical Charles Colimon, yon nan monument historique dans Tigrivière la Tibonite qui représentait en pile bagay pour pays ya qui se parlait 365 portes en bas gros menace du fait bandi base gangriff Savien yo. Population mandé ak responsable dans pire au niveau l'état pour yo lever pied yo pour au moins pour protéger monument si la parce que connaît les bandits base gangriff yo annoncé yon bagay yo pa jam pa fèl. C'est pour ça yo mandé à directeur départemental police nationale d'Haïti dans la Tibonite là monsieur Goodson Roger Jeune pour prendre disposition pour au moins permettre que policiers retournent prendre contrôle Tigrivière la Tibonite pendant ces maintenant qui ka permettre au moins yo sauver sa ka sauver dans mi-temps communauté rive tibonicienne nan. Désir Vénès Tigrivière la Tibonite cité Crète à Pierrot tac 509. Nèg Axam assassiné 15 avril 2023 dans Marotier 18 commune Carrefour, yon jeune journaliste qui c'est Dumeski Kersen, journaliste la tap travail dans radio télévision Inurep, yon station qui émet dans Carrefour. M'a rappelé ou tout, yon touye yon l'autre citoyen dans même jour ça dans Marotier 83. Après Chanel, YouTube chef de gang Village des Dieux, ISO 5 secondes, fin fermé, la police renouvelé avis de recherche, yote lancé derrière chef de gang ISO 5 secondes. Samedi, qui était 15 avril 2023. Donc, m'a rappelé au peuple haïtien, yon reproché pour kidnapping, détention zam illégale, volet, camion marchandises, assassinat, association malfaiteur. Donc, vrai nos chefs de gang ISO 5 Johnson André. Damaeus Jocelyn, c'est nous un jeune garçon 49 l'année, paquet Okaï arrêté en flagrant délit samedi 15 avril pour détournement miné. Damaeus Jocelyn était avec un adolescent 16 l'année dans une chambre zone Colette après un plaid maman victime nan te déposé détournement miné ensemble avec viol. Actuellement là, accusé a réfléchi derrière 4 mirailles dans commissariat Okaï. Des laboratoires, 10 salles classe, 50 panneaux solaires pour citer ça yo seulement, bouler ce bilan, eh bien, évaluation des gars d'effets qui éclatait dans jeudi 13 avril là, dans faculté ak médecine vétérinaire, vice-doyen affaires académie faculté a, Fedner Duvivier qui te vin constater des gars yo fait qu'on est, c'est une partie dans espace faculté a qui te construit après tremblement de terre 12 janvier 2010 là, qui passe c'est en bas flamme dit fait qui pat en mesi pour bay origine dit fait ça. C'est un parti dans la faculté agronomie et médecine vétérinaire qui passait en bas flamme dit fait dans la soirée jeudi 14 avril 2023. Il y a un espace
en trois tirs métalliques qui étaient construits après le tremblement de terre 12 janvier 2010 passé. Vice-doyen dans les affaires académiques faculté, Fred Nedu Vivier, qui regrette l'incident, a expliqué que ça s'est passé. C'est un incident qui produit aux environs de 10h du soir, nous sommes capables de dire. Nous avons des étudiants qui sont dans la résidence, là, qui viennent, qui commencent à voir de l'eau, mais en même temps, tout alerter les pompiers. Et puis, les pompiers intervenir, permettre que les feux soient maîtrisés aux environs de 2h du matin, là, qui fait que tout reste espace-là pas brûler. Mais si ce n'est pas l'intervention des étudiants avec les sapeurs-pompiers, et ça n'a plus grave. Il y a un peu de monde qui est déjà venu. Moi-même, moi, c'est vice-doyen, faculté, doyen, déjà venu, nous l'avons là. Et nous avons gardé pour nous l'ampleur des dégâts. Bilan, 2 laboratoires, 10 salles classe, 50 panneaux solaires, passés en bas flamme d'IFE, 50 chaises avec bio. En termes qualitatifs, nous avons des matériels de deux laboratoires qui perdent du matériel réactif. Un laboratoire de phytopathologie et un laboratoire de biotechnologie. Et puis nous perdons tout le mobilier, nous avons parlé de chaises à bureau qui étaient là pour dispenser cours dans la salle de classe. Et nous perdons tout 50 panneaux solaires qui étaient sur la toiture pour générer électricité. Et pour permettre que la faculté a fonctionné. Actuellement, là, nous n'avons pas d'énergie du tout. Et parce que tout panneau solaire, nous, le détruit dans l'incendie. Ainsi, dans ça, la guerre de Cana faculté a une grosse difficulté pour organiser l'examen première session qui prévoit dérouler le handicap venu là. Vice-doyen, qui n'a pas attendu de rapporter date d'examen, entend faire une grosse mobilisation pour arriver à joindre matériel pour étudiants capables de arriver à composer. Nous avons gardé pour nous l'ampleur des dégâts qui s'est couvert parce que nous sommes supposés finir jeudi avec les derniers cours du premier quatrimestre 2022-2023. Les examens sont prévus à partir de lundi de la semaine prochaine. Mais nous avons vraiment besoin de faire une grande mobilisation pour nous vendre du matériel pour nous permettre que les étudiants composent. Comme nous sommes un campus qui est assez grand, on est capable de prendre espace, si pas qu'il y a plus pour nous faire composer, même si c'est des salles à ciel ouvert pour nous aménager. Mais nous avons vraiment besoin de réaliser les examens de la première session. Et puis pour nous mettre un petit temps pour organiser la reprise des cours de la deuxième session à partir du 15 mai. On a rappelé, la faculté d'agronomie et médecine vétérinaire, formée en pile agronome dans le pays d'Haïti ou à l'étranger, fondée dans l'année 1924. On a signalé tout. Diffé ça a éclaté dans moins espace un mois après bandi exam te débarqué dans même espace ça pour te aller quelque matériel dans espace là tant qu'au véhicule. Adiani Oxima à Blassin-Fleur, TAC 509.